France Bleu Maine. 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie Elie. Emmanuel Bourdeau. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à table, on cuisine ensemble sur France Bleu Maine. On fait le marché ensemble, direction Filles-sur-Sarthe ce matin, Emmanuel, et nous allons choisir pour nos recettes des pommes et des volailles. Exactement, ça correspond à l'actualité de deux invités qui sont au marché gourmand et artisanal. Alors c'est exceptionnel, il n'y a pas un marché tous les dimanches à Moulinsart. Non, mais tous les ans en revanche. Tous les ans, avec une quarantaine d'exposants, concours de cuisine, présence des 19 bonnes tables et marché artisanal. Donc c'est un super moment. Vous l'avez dit, le temps, ce sera quoi dimanche? Je ne vais pas trop regarder. Moyen. Moyen. On va y aller quand même. On va se réchauffer quand même, il n'y a pas de problème. 5 ans pour ce marché, 140 ans pour le Ricordo. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Juste avant de saluer nos invités, Emmanuel, un petit mot sur le Ricordo. Grand concours, on peut parler de concours hein, cette semaine, lorsque ce déjeuner pour deux, c'est quand même un très beau cadeau à gagner. Voilà, en plus ce sera un déjeuner prestige, servi comme au début du XXe siècle, avec les tenues d'époque pour fêter les 140 ans. Avec, bon, j'en ai parlé, c'est vrai, du foie gras, de la volaille de Loué, bien sûr. Et puis, vous pourrez goûter aux spécialités qu'affectionnait tout particulièrement le grand chef Émile Ricordo, notamment en dessert avec un soufflé glacé au Grand Marnier. Voilà. Je verrais bien Olivier Blé en costume d'époque aussi. Bonjour, Olivier. Pourquoi pas. Bonjour à tous les gourmets gourmands. L'auberge du Rallye à Filles-sur-Sarthe, les 19 bonnes tables, Olivier. Il y a le bistrot du Moulin aussi, qui est un petit peu dans la famille et que vous supervisez. C'est une adresse sur l'île Moulinsart de Filles. Et puis, ce marché gourmand dimanche avec beaucoup de producteurs, dont Bertrand Vivier. Bonjour Bertrand. Bonjour. Vous êtes éleveur de volailles. C'est aussi une histoire familiale d'ailleurs, hein, la famille Vivier. Exactement. À Chemiré-le-Gaudin. Quel type de volaille vous faites d'ailleurs en ce moment? C'est une période un peu charnière parce que vous avez commencé à élever déjà les volailles un peu de Noël ou... Oui, elles sont déjà là, elles sont en train de profiter, ce qui est normal. Vous faites dinde, chapon. Dinde, chapon, on fait un petit peu de poularde. Et bah après, de la canette, du canard. D'accord. Ah oui, vous faites vraiment toute la gamme des volailles, hein, pratiquement. Oui. Qu'est-ce qu'on va trouver sur le marché dimanche? Qu'est-ce que vous allez vendre? Je vais présenter du poulet, de la pintade, de la canette. Et après, je vais présenter aussi les transformations que je fais, donc du pâté de volaille, des chipots, des bouches à la reine. D'accord. Un petit peu de transformation qu'on est en train de mettre en place au fur et à mesure du temps. Voilà, on verra avec vous comment sont élevées vos petites bêtes. Voilà, exactement. Parce qu'on les soigne bien chez les viviers. Avant de... Quick sur place. Non, mais parce qu'effectivement, tout est fait sur place à la ferme. C'est la ferme de l'Homo. C'était ce matin. D'accord. Bon, ça va, il a les mains relativement propres, ça va. Quand même. Des pommes aussi. Il y aura des pommes ce dimanche au marché de Filles-sur-Sarthe, Olivier, avec un concours. Des pommes, oui, des pommes. Pourquoi les pommes? Tout simplement parce que c'est un fruit de saison et c'est le fruit le plus consommé en France. Voilà. Et puis, contrairement à son origine, du latin malum, où c'était le fruit défendu, et c'était ce qui signifiait mauvais, et on ne consommait pas de pommes. Ah bah c'était interdit. C'est vrai, le fruit défendu, c'est... on oublie ça. Hein, c'est marrant. Étonnant, non? On a le droit aujourd'hui de manger des pommes. Un concours amateur, donc, pour ce dimanche. Alors, ce n'est pas les 24 heures cuisine, nous, c'est vraiment très convivial. Hein. Nous, on fait une dédicace. C'est pas convivial, les 24 heures cuisine. Ça y est, je vais me faire assassiner. Un seul cri. C'est pas ce qu'il a voulu dire, Olivier, je pense. On est très proche du public. C'est vrai que... Est-ce qu'on n'est pas très proche du public? Non, vous êtes sur scène, en hauteur. Ah, c'est ça. Ah, d'accord, c'est ça la différence. Il n'y a pas de scène. Nous, on est beaucoup plus humbles. On est au niveau de la terre. Donc, vous n'êtes pas humble, Emmanuel. On va s'arrêter là. C'est ça, voilà. C'est bien. Bienvenue. Enterrons les haches de guerre. Non, tout simplement, on est au milieu de la foule et c'est vrai qu'on fait des démonstrations. Et on a lancé un concours que l'on fait tous les ans. Le dernier concours, c'était sur les soupes. Là, les pommes. Alors, les pommes, il y a tellement de choses à faire sur les pommes. C'est un très plat dessert, j'ai envie de dire. Sucré, salé, tellement d'idées à prendre. On va d'abord que chacun laisse son inspiration, sa créativité. Et c'est surtout le goût qui va primer. Donc, il suffit d'amener son dessert et il sera jugé. Non pas seulement par les 19, mais par toute l'assemblée présente. Les 19, ce sont les 19 bonnes tables sartoises qui seront présentées aussi. Et donc, on peut encore s'inscrire, on peut amener son dessert bien au sûr, dernier moment. Bien sûr, tout à fait. Pas de problème. Il ne faut pas hésiter. D'accord. Et puis, on pourra aussi, ce matin, proposer quelques recettes à base de pommes et de volailles. Hein, pourquoi pas? C'est ce qu'on va faire. D'ailleurs, Emmanuel, vous aurez une petite recette. Oui, il y aura une simplicité. Moi, je reviens aux fondamentaux, la pomme, et puis avec des escalopes de poulet, ça va être très bien, ça. À tout de suite. 10h-11h. Emmanuel.
Samuel Bordeaux, Sophie Elie. On cuisine ensemble sur France Bleu Mer. Avec Olivier Blé, Bertrand Vivier, Bertrand qui élève des volailles, qui sera présent ce dimanche au marché gourmand et artisanal de Fillé-sur-Sarthe. Olivier, le chef de l'auberge du Rallye. Vous appartenez aux 19 bonnes tables sartoises qui seront présentes aussi ce jour-là. Et Bertrand, question toute simple, mais question qu'on peut se poser. Rappelez-nous ce que sont les 19 bonnes tables, s'il vous plaît. Alors, les 19 bonnes tables, une association d'hommes de métier, de restaurateurs, une des plus vieilles, sinon la plus vieille association en France. Hein, les créateurs de la marmite sartoise, recette déposée, bien sûr, hein, donc on ne peut pas la faire n'importe comment. Et donc, nous sommes actuellement 17. Alors, voilà, d'où le nom de 19. 19, parce que lors de la création de l'association, qui était ouverte à tous, bien sûr, ils se sont retrouvés à 19 autour de la table. D'accord. Ils s'appelaient les jeunes restaurateurs. Bon, la jeunesse n'étant pas éternelle, ils ont décidé de s'appeler les 19 bonnes tables. Et on a gardé le nom de 19 bonnes tables. Il y aura donc des représentations, des démonstrations culinaires dimanche au marché. Tout à fait, oui. Dans le public, donc nous allons faire des démonstrations. Moi, je vais faire un colombo de porc fermier. Le porc fermier de Monsieur Cabane, que Monsieur Cabane défend si bien. Je travaille beaucoup avec le boucher du coin, Christophe Le Rouge. Donc, on va travailler ses rillettes, on va travailler son porc. On va faire des petites entrées. Donc, les desserts, ça va être la pomme. Eh oui. Hein, comme le concours. On vous rappelle que vous pouvez amener votre dessert. Ça peut être aussi du salé pour le concours. Du salé. Mais qu'est-ce qu'on gagne, au fait? De nombreux lots, il y a marqué. Alors, ah oui, mais c'est quoi les lots? Alors, les lots, le premier prix donc accordé sera un repas donc chez l'un des 19 bonnes tables sartoises. Peut-être chez vous, Olivier, on ne sait peut-être, pas. Peut-être, ce sera le gagnant qui choisira. Ah ouais, super. Le deuxième aura un chèque cadeau à l'auberge du Rallye. D'accord. Le troisième aura un chèque cadeau au Bistrot du Moulin. D'accord. Et de nombreux d'autres cadeaux, hein, puisque Jean-Marie Jantaine sera parmi nous pour faire de la confiture. Avec ses donc produits, aura, oui. Voilà, il y aura de la farine du moulin, il y aura de nombreux lots donc, qui seront distribués à tous les participants. Voilà, parce que oui, ça va. Alors, ils ne tournent pas le moulin parce que c'est les écourus, là, il n'y a pas trop d'eau. Voilà, oui. Mais en tout cas, il y aura des... Ils ont prévu. Voilà, il y aura cuisson four à bois avec des pains, des fouets, garnis aussi l'après-midi. Et puis j'ajoute une volaille de chez Vivier, voilà. Je ne peux pas dire non comme ça. Voilà. Dans le panier qui sera gagné donc ce dimanche. Alors, vos bestioles, comment elles sont élevées, dans quelles conditions, qu'est-ce qu'elles mangent? Tout le monde a envie de savoir ça maintenant, c'est vrai? Eh bien nous, en fait, on cultive nos céréales. Donc à la base, on cultive les céréales, donc on fabrique notre alimentation sur l'exploitation. On achète le poussin par contre à un jour, d'accord. On les fait pas naître chez nous. On achète à un jour et après on l'élève jusqu'à 15 semaines à l'âge où on commence à abattre nos volailles. D'accord. En fait, de 15 à 20 semaines, on abat nos volailles. D'accord. Pour les commercialiser. Alors 15 semaines, ça fait combien de jours ça? Ça fait 115 jours. Ah d'accord, voilà. Ce qui est beaucoup par rapport à... Oui. On est au-dessus de... Nous, on est à 4 mois si on veut. D'accord, 4 voilà. Mois de... Et un poulet malheureusement élevé en batterie, c'est quoi, 30-40 jours, hein, je crois? Ouais, c'est incroyable, moins, hein, incroyable. Vous voyez la différence, quoi. Mmh. Différence du goût, évidemment. Ah oui, pourquoi c'est meilleur? La fermeté. Hein, bah, après, c'est la fermeté qui... Là, c'est ça, c'est un après, chaque bâtiment a son parc à herbager de 20 arts. Donc chaque bâtiment est ouvert. D'accord. Le matin. Donc ça sort le matin, ça va picorer. Nature, voilà. Ça mange des petites pierres, des petits vers de terre. Tout ça, c'est tout ça qui va donner le goût aussi à la viande. Et vous êtes né au milieu des volailles, on peut dire vous, Bertrand. C'est vos parents qui ont commencé. Par contre, mais je suis sur l'exploitation depuis que je suis tout petit. Je suis juste parti pendant 5 ans vu que j'ai acheté une autre ferme. Et maintenant, je suis retourné dans la ferme principale. D'accord. Les ventes se font comment? C'est uniquement les marchés? On peut acheter à la ferme? On peut venir à la ferme sur demande. On est là, mais on n'a pas vraiment d'heure précise. D'accord. On le fera plus tard, un petit magasin à la ferme. Mais sinon, on fait les marchés. Donc le mercredi, la Flèche, jeudi, la Suze, le vendredi, Sablé, samedi, Coulaine, Sablé, et dimanche, Jacobin. Mmh. Et après, on a le magasin, c'est Chèvrefeuille, à Saint-Saturnin. D'accord, ah oui. Voilà, et après, j'ai aussi la ruche qui dit oui. Je suis sur les 3 ruches qui sont ouvertes sur la Sarthe. En Sarthe, d'accord. Et une 4e qui ouvre à Sablé.
D'accord. Prochainement. Là, et puis dimanche, donc, sur le marché de Fillé-sur-Sarthe, des recettes à suivre sur France Bleu Maine. La nature a ses plus belles couleurs et l'assiette est pleine de bonheur. C'est ce qu'on dit à l'auberge du Rallye. On va vérifier ça dans un instant. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux. Sophie Elie. On cuisine ensemble. Sur France Bleu Maine. Moi, je vais prendre les langoustines sautées, nougatines de Tom Sartoise et voile de jambon cru sur une bisque de homard. Et vous, moi Emmanuel, aussi. Vous prenez ce que la même j'avais, chose que moi. C'est ce que j'avais choisi parce que ça a l'air très très bon. Et cette Tom Sartoise, c'est le refrain. Voilà. Exactement. On retrouve voilà, le des, chante. Les produits locaux. Nous sommes à l'auberge du Rallye à Fillé-sur-Sarthe avec Olivier Blé. Il y a les escargots du Maine d'Hugmilo. Si je ne m'abuse, il sera d'ailleurs sur le marché, je crois. Exactement, oui. Hugmilo. Oui, oui, j'ai vu la liste des exposants. Voilà, une bonne quarantaine hein, d'exposants et pas que des métiers de bouche d'ailleurs. Il y a du culinaire, mais il y a aussi de l'artisanat et puis plein d'animations pour les enfants. Voilà, ouais. Et puis le site hein, qui vaut le coup hein, si vous n'êtes jamais à Moulin Saint. Oui, c'est, vrai. C'est vrai, c'est vraiment très sympa. Du miel, des confitures, et des boissons, des produits laitiers. Et puis de la viande avec ces belles volailles que vous transformez aussi. Vous nous racontiez un peu hors antenne, Monsieur Vivier. Voilà, c'est vos pâtés de volailles avec un pourcentage de volailles dans le pâté qui s'approche. Alors on est à 80% de volailles. D'accord. Un peu de porc pour mettre un peu de gras. Un petit peu de gras pour un peu faire un petit peu de moelleux dans d'accord. la texture. Quelle partie de la volaille vous prenez pour faire vos pâtés? On peut. On prend les ailes, enfin les morceaux d'ailes, des cuisses et du filet. On met tout. D'accord. Un peu de tout, on met pas que du maigre, on met la bonne. C'est haché fin, c'est haché gros. C'est haché assez fin quand même. Assez fin, ouais. D'accord. Moi, en même temps, cette terrine. Oui, oui, je vois ça. Ah. Oui, mais quelques petits secrets aussi qu'il ne nous donnera pas, je pense. Il y a des secrets quand on fabrique plus soi-même. Ou moins, oui, plus ou moins. Et sinon, vous l'aimez comment, vous, votre volaille, vraiment votre plat préféré? Ouais, en volaille. Moi, en volaille, j'aime bien le poulet rôti. Ouais. C'est ce que disent tous les éleveurs, c'est incroyable. C'est ce qu'on mange régulièrement, vu qu'on en rôtit, on en ramène. Bien sûr, quand on ne vend pas tout, on en ramène. Donc, on en mange régulièrement. Tout le monde fait du poulet rôti, mais pour ne pas le rater. Alors, j'aimerais bien l'avis de l'éleveur et ensuite l'avis du chef, pour vraiment réussir son poulet. Bah après, moi, c'est plus facile parce que je le fais sur les broches avec les autres poulets qui vont se vider de leur graisse naturellement. Donc, en fait, il va dorer naturellement. Ça va être plus simple qu'au four. Puis ça va être un super bon poulet, en voilà, plus, hein, au départ. Puis faut aussi. L'arroser. Sinon, au four, il faut l'arroser régulièrement. Et ouais, je crois que le secret, c'est un peu ça. C'est d'arroser aussi cette volaille. Vous, Olivier, voilà, vous avez surtout toutes les techniques de cuisson un petit peu, où vous travaillez le sous-vide de temps en temps, il y a plein de choses. Oui, il y a beaucoup de choses. C'est vrai qu'on a du matériel maintenant très performant, on a des fours, des vraies machines de guerre. Moi, je cuis à basse température au début, et je mets pour que la volaille reste bien moelleuse, et à la fin, je mets un coup de croustille, un coup de gris, pour qu'elle soit bien dorée. On a un croustille fondant. Voilà. c'est vrai que les viandes, on a tendance à trop les faire cuire. Est-ce que c'est le cas aussi pour la volaille? Ça dépend. Il faut pas fois. Trop la faire cuire faut non pas, plus. En fait, nous, faut l'enlever. Faut que après, c'est à l'œil. À force de répéter les choses, on voit quand la volaille, on voit que les jointures se défont un petit peu. Là, c'est que c'est bien cuit. Ouais, voilà. Attention à la surcuisson, mais il faut quand même que ça cuise évidemment la volaille. Il y a aussi, alors les chefs, je sais pas vous si vous travaillez avec la sonde ou des choses comme ça, vous Olivier. Oui, pour les grosses pièces surtout. Oui. D'accord, voilà. Oui. Donc à cœur, vous réglez à combien? Tout dépend de la bête, quoi, mais on arrive à dans les 58, 60, 62 pour avoir une belle texture. Quoi. Voilà, donc faut essayer voilà, de pas trop cuire, mais faut quand même le cuire, la volaille, ça c'est hyper important. Et puis, comme vous le dites, vous avez ce matériel, nous, qu'on n'a pas, et il y a aussi le toucher qui est important. Hein. Ah, il faut toucher Oui, voilà, pendant la cuisson Ouais. Mais ça, c'est... on ouvre le four. Parce que les chefs, ils font ça, c'est... vous touchez, là. Ça, c'est l'expérience, c'est vrai, à toucher, on va savoir si la viande est... Voilà, est assez moelleuse ou pas. Ouais. Ça, c'est la meilleure technique, ça. Et même quand on cuit en poil, là, les viandes, c'est pareil, il faut y aller avec les doigts, c'est vraiment parfait pour avoir la bonne cuisson. On va faire une petite recette dans un instant. Emmanuel, ce sera quoi votre recette à vous? Alors, ça va être très simple, ça va être des escalopes de poulet à la pomme, évidemment, puisque c'est les deux thématiques. Et vous, Olivier, vous nous proposerez quoi? Une sauce à base de cidre, je crois. Pourquoi pas, on va faire une petite sauce. On va la faire ensemble. Voilà, exactement. Si vous aussi, vous avez des idées de recettes, vous nous rejoignez 02 43 29 10 10, on cuisine ensemble. 02 43 29 10 10, on cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Avec Olivier Blé,
avec Bertrand Vivien, cuisine autour des volailles et des pommes ce matin. Recette Emmanuel Bordeaux, s'il vous plaît. À deux voix avec Olivier Blé, le chef de l'auberge du Rallye à Fillé-sur-Sarthe, qui sera en fête ce dimanche avec ce grand marché, des dégustations, concours, etc. etc. Faut y aller, hein. C'est tôt le matin, c'est à partir de 10h, toute la journée après. Toute la journée, oui, jusqu'à 18h, voilà. À peu près. Minimum. D'accord, j'adore, bah, on restera le soir aussi. Jusqu'à 18h, bon, hein. Jusqu'à plus soif. Des escalopes de poulet. Alors, comment on fait, moi, comment je fais pour avoir des escalopes de poulet? Vous demandez à Bertrand. Voilà. À Bertrand. Et puis, tu prends une volaille entière et puis je l'élève. Ah, voilà, moi, je lui demande de le faire. Voilà. Oui, c'est pas mal aussi. Il faut un beau couteau aiguisé. Puis, moi, je laisse toujours un peu de chair quand même encore sur la carcasse, Olivier. Bien frotté sur les os. Mais oui, je fais ça, mais je sais pas, ça se déchiquette. Mais il faut avoir un bon couteau. Voilà. C'est un couteau qui coupe. D'accord. Pas un couteau à dents. Pas une binette. Ouais, faut pas une binette. Bah, je l'aiguise, hein, pourtant, mon couteau, mais je dois pas savoir le faire. Enfin, ça vient. Il y a une technique. Oui. Bah, après, c'est l'entraînement, hein. C'est vrai que. Bah, voilà. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Exactement. C'est en cuisinant qu'on devient bon cuisinier. Je passe pas 50 volailles par semaine chez moi, oui. J'en fais vraiment de temps en temps. Une fois que j'ai ces escalopes, je vais choisir une pomme. Il nous faut quoi? Escalope, oignon, pomme, un peu de bouillon de volaille. Alors, ça, je le fais avec les restes de carcasse. Ah oui. Quand j'ai mangé justement cette belle volaille du dimanche, la carcasse, oh là là, je ne la jette pas. Et j'en fais un bouillon, c'est très simple à faire. Et après ça, je le dis toujours, je le congèle, ce bouillon. Comme ça, je le garde et puis on peut s'en servir quand on veut. Il y aura besoin d'un peu de crème fraîche. Mais Olivier, il va améliorer un petit peu ma recette. Je vais sublimer ta recette sur la finale. C'est beau. Pour atteindre les sommets, hein, de la gourmandise. On va émincer l'oignon, on va le faire colorer gentiment avec un petit peu d'huile d'olive. On va cuire un peu ces escalopes de poulet. Alors moi, que je ferais bien émincer, voilà, pour que ça soit assez rapide encore. Émincer de volaille. Voilà, émincer de volaille. Un poêlage rapide. Très simple. Avec, on rajoute un peu de poivre. Moi, j'aime bien un peu de curry aussi, parce que c'est très très bon. Puis quand le curry va toucher la crème, voyez-vous, ça va donner un goût. Alors vous allez me faire une petite sauce, vous, mon cher Olivier, avec mon petit fond de volaille là. Je l'ai. Qu'est-ce que vous allez en faire de ça? Alors, on va faire une petite gastrique. D'accord. Une gastrique, c'est simple, c'est vinaigre, sucre. Hein, c'est une sauce sucrée salée. On va laisser caraméliser. On va déglacer avec un petit peu de miel. Mmh. Caraméliser. Après, déglacer au cidre. D'accord. Le cidre, on va rajouter ton petit fond de volaille. On va laisser réduire. Et on va avoir notre petite sauce sucrée salée extra. Voilà. Et on peut le crémer, cette gastrique, là, ou pas? On faut laisser nature. D'accord. Bon, j'enlève la crème de ma cuisson et la gastrique, on va faire une sauce au curry et une sauce cidre. D'accord. Voilà. Avec comme ça, pour tous les goûts. Et pour la présentation, on fait comment, Olivier? On met deux petits ramequins à ce moment-là? Voilà, on va laisser notre volaille nature, la petite garniture. Comment tu fais tes pommes? Alors les pommes, ça va être très simple. Alors ça, c'est très important aussi, c'est que les pommes, le choix de la pomme. Moi, j'irai sur de la rainette à ce moment-là. Hein. La rainette, un petit peu acidulée, chair ferme. Alors, une petite astuce pour les quartiers de pommes. Si tu veux pas qu'ils éclatent pendant la cuisson, tu les piques avec une fourchette avant. D'accord. Ah, très bien ça. Voilà. Et il faut pas être sur un feu trop fort, hein, pour la cuisson de la pomme. Une petite coloration. Je me suis souvent fait avoir parce que sur la cuisson trop forte comme ça va les marquer et puis ça vire vite compote un peu. Exactement. Et moi, il faut garder un peu de croquant. Donc voilà, faut être quand même feu moyen, j'ai envie de dire. Voilà, on laisse colorer. Un aller-retour. Comme ils sont piqués, elles vont pas s'éclater. D'accord. Et il y aura un petit peu de fermeté à l'intérieur. Et on laisse encore un peu de 3 minutes là, à feu doux. Mmh. Et hop, moi je mets ça dans l'assiette. Et puis on met nos deux petites sauces. La sauce juste avec les sucs de la poêle où on a fait un petit déglaçage avec crème et curry. Et la gastrique au cidre de monsieur Olivier Blé. Et pas d'accompagnement par rapport aux pommes, c'est vraiment les pommes qui vont constituer notre légume, entre guillemets. Pommes chez les terres, une petite purée fine, pommes de terre, un petit trait dans l'assiette, les petites pommes, les petits quartiers de pommes présentés. Voilà. Et puis après, vous jouez, vous trempez la pomme dans la sauce curry. Avec une belle volaille. Ça vous va, Bertrand? On mange ça ce midi. Allez, on fait ça pour ce midi, c'est parfait. Et puis dimanche, au Ricordo, il va y avoir aussi un déjeuner exceptionnel. Et l'une d'entre vous va pouvoir y assister. Tirage au sort demain, sélection encore aujourd'hui. C'est votre main innocente qui fera le tirage demain, Sophie. Mmh. Avec cette question, je vous demande le nom du chef qui vient régulièrement dans cette émission. Il s'appelle Didier Bonnet ou Didier Chapeau.
chef du Ricordo actuel. Actuel. Didier Bonnet ou Didier Chapeau, 02 43 29 10 10 pour la sélection pour le tirage au sort de demain, déjeuner pour deux au Ricordo ce dimanche. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. On cuisine ensemble sur France Bleu Mer. Et Monique rejoint la liste des inscrits pour le tirage au sort de demain, déjeuner pour deux au Ricordo, déjeuner exceptionnel pour fêter les 140 ans de l'établissement. Elle croisera peut-être le chef du Ricordo, c'est Didier Chapeau, et non Didier Bonnet. Humour garanti dans l'émission. C'était la bonne réponse. Effectivement, dernière question demain donc, et dernière sélection. Dimanche, c'est aussi le marché gourmand et artisanal de Fillé-sur-Sarthe. C'est avec France Bleu Maine, hein, on ne l'a pas dit, ah mais oui, il y a notre logo dessus. Hein. Et d'ailleurs, dimanche, on aura notre baladeur Quentin sera présent le matin, juste avant l'ouverture du marché. Vous serez gentil avec lui s'il vient vous poser quelques questions. Oui, on a un crieur aussi. Et un crieur, Hippolyte. Il y a toujours beaucoup de monde, hein, entre 3 et 5 000 personnes sur le site. Hein. Ouais, ça m'étonne pas. C'est assez important. Hein. Et c'est pas deux petites gouttes de pluie qui vont nous faire peur. Non, on a installé des barnums. On pourra aussi déjeuner au bistrot du Moulin. Il y aura un menu made in Sarthe à partir de 16 euros. Alors vous êtes le chef, je rappelle, Olivier Blais, de l'auberge du Rallye qui est affilié. Mais sur l'île Moulin Sarthe, il y a le bistrot et c'est alors c'est fille, ma fille, hein, c'est ma fille qui s'occupe du bistrot avec son ami Corentin qui est en cuisine. Donc vous surveillez bien, ils font eux aussi des produits frais, faits maison. Ah, hein. Absolument, vous le garantissez. Tout est fait maison. Il surveille le beau-père, je l'ai vu là, quand j'y suis allé en reportage. Il est par la fenêtre là. Il surveille un peu, il a le coin de l'œil, il moufte pas le beau-fils. Et à partir de 16 euros, on pourra se faire un petit menu avec par exemple tarte au riz aux chèvres, ludois, émincé de poulet aux janières et chaussons aux pommes ce dimanche. Du produit local. Voilà. Olivier, j'aimerais qu'on revienne sur un événement passé, on ne le fait pas souvent dans l'émission, mais je voulais quand même qu'on en parle. C'était lundi, comme tous les ans, la semaine du goût, les 19 bonnes tables, vous êtes allé cuisiner dans un collège. On est dans, c'est la semaine du goût, donc toute la semaine. Oui, hein. Ça continue toute cette semaine, mais lundi, donc vous étiez au collège. Tous les ans, oui, on est des ambassadeurs du Maine avec le conseil général et on officie depuis 8 ans maintenant dans les collèges. Où régulièrement on amène des recettes un petit peu originales pour changer du quotidien et c'est vrai que notre tâche était de les produits locaux donc de les valoriser et quand on a commencé on avait un objectif c'était 20% de produits frais de produits bio dans les restaurants scolaires. Maintenant, les chefs font un travail exceptionnel. C'est vrai qu'on arrive à plus de 50%. L'objectif, c'est 50% pour tous les collèges. Voilà, en produit local. Hein. En produit local et en produit frais, bien sûr. Hein. Le bio, bien sûr, à sa part. Il y en a qui travaillent pratiquement que du produit frais, mais de plus en plus, c'est vrai que les restaurants travaillent vraiment du beau produit et font du travail. Bon, c'est bien pour les enfants. Donc lundi, vous étiez à Sablé. Ils ont mangé quoi alors, les élèves lundi ? Sablé au collège d'Anjou, on a eu un grand buffet de crudités des produits frais donc, qui étaient mis en avant avec des rillettes de Précigné. Très local. En plus, ensuite, on a fait un sauté de cochon, un sauté de porc sartois. Porc fermier, hein, au miel. On avait de la rouge des prés qu'on a travaillé à la plancha avec quelques épices, des zestes d'orange, très parmi. Une purée de carottes Crécy, un gratin dauphinois. On avait du cendre en papillote dans une feuille de brique avec une petite julienne de légumes, avec un beurre blanc à la framboise. D'accord. Et en dessert, on a fait un flan sartois. Un flan sartois, donc avec des poires, des pommes et puis des fromages locaux. D'accord. Voilà, ils étaient bien lundi, là. Ils sont sûrement. Ils ont dit quoi, les élèves? Ah oui, les élèves sont ravis, ils mangent très bien. Bah oui, c'est sûr, ça, moi je veux bien la même chose à la cantine de France Bleu Maine. Ça peut être pas mal, ils font ça qu'une fois par an, hein, mais bon. Et c'est à l'année, il y a du beau travail dans les restaurations scolaires. Il y a des restaurants qui devraient en prendre de la graine. Oui, on est bien d'accord. Ouais. Une ça, fois par clair. An aussi, depuis 5 ans, le marché gourmand et artisanal de l'île Moulinsart à Fillé, c'est dimanche à partir de 10h, on vient vous voir, l'entrée est libre. Il y a plein d'animations aussi pour les enfants avec le moulin, bien sûr, le moulin Cyprien. Vous y serez, Olivier Blais, merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci vous y serez. Aussi Bertrand avec vos volailles et vos volailles transformées. Donc on se donne rendez-vous dimanche à Fillé-sur-Sarthe. Merci à vous. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. De
demain, légumes et solidarité, voilà, avec Florent Rouillard. Florent Rouillard, qui est maraîcher bio du côté de Télocher. Et il a construit une nouvelle serre et il demande un peu de solidarité pour la financer, cette serre, à cause des conditions climatiques. Voilà, il ne peut plus faire du plein champ, enfin il peut en faire mais un peu moins, donc il a besoin d'une nouvelle serre et il va vous solliciter demain. Voilà, et puis on parlera aussi de ses poivrons et de ses aubergines. On les cuisinera avec le chef de l'Amphitryon, James Guyonnet.